Les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la sensibilisation des acteurs clés du processus électoral en vue d'un fort taux de participation à la prochaine élection présidentielle. L'initiative est de Da Adandéjan, parrain des boucliers de la rupture. La tête couronnée a tenu ce samedi en son domicile une rencontre avec les chefs de quartier de la commune d'Abomey. Les échanges ont surtout laissé place à des stratégies à développer pour remporter la victoire à la présidentielle d'avril 2021. Nous aurons les précisions avec Imet et Elena Moussou. Nous parlerons ensuite de la conférence publique animée hier samedi par le groupe de réflexion alternative et perspective. Le thème, le phare dans la société africaine. L'événement a mobilisé universitaires et praticiens du phare qui ont croisé leurs connaissances. Tout s'est déroulé à l'université d'Abomey-Calabi. Ulrich Ekwegaba et Elvis Tonoukouen nous en feront le compte rendu. Et puis, nous parlerons de la tournée de sensibilisation du ministre des Affaires sociales et de la microfinance sur les avantages du microcrédit à l'AFIA. L'autorité a poursuivi son périple ce week-end dans le département du Koufo. Les communes d'Aplakou et de Diakotoumé ont surtout accueilli Véronique Tonifori-Mewano. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une édition que nous allons commencer justement par la sensibilisation des acteurs clés du processus électoral en vue d'un fort taux de participation à la prochaine élection présidentielle. L'initiative, elle, vient de Da Adandéjan, parrain des boucliers de la rupture. La tête couronnée a tenu hier samedi une rencontre avec les chefs de quartier de la commune d'Abomey. Les échanges ont surtout porté sur les stratégies à adopter pour remporter la victoire à la présidentielle d'avril 2021. Suivez ici les précisions sur des propos recueillis par Imet Elena Moussou. Face aux leaders du creuset politique, les boucliers de la rupture et leurs parrains, l'ensemble des chefs quartiers de la commune d'Abomey, 41 au total, ils ont été entretenus sur la tournée de reddition de comptes du chef de l'État à travers les 77 communes du pays. L'objectif étant de leur apporter la quintessence des différents discours tenus. Cette discussion s'oriente en deux étapes. D'abord, la première évaluation de la tournée du chef de l'État, parce que nous avons eu la chance que notre parrain, dans les gens, a fait cette tournée avec le chef de l'État, dont nous avons discuté. Durant toute la tournée de réduction de comptes, les Béninois, dans nos 77 communes, ont exprimé très haut et très fort leur satisfaction pour le bilan du premier quinquennat de notre charismatique homme, M. Patrice Talon. Et ensuite, ils ont exigé de lui un second mandat pour le bonheur de notre pays. Organisés sous la houlette de Da Adandéjan, ces échanges vont aussi permettre de recueillir les appréciations des invités sur les réalisations du quinquennat de la gouvernance Talon. L'occasion a également été celle choisie pour décider des stratégies à développer pour appuyer convenablement Patrice Talon et l'aider à relever son défi de briguer un nouveau mandat. Pour l'atteinte des objectifs, différentes propositions ont été faites. Convaincu et déjà très sûr de la volonté du peuple de poursuivre la marche derrière cet homme de Providence, nous avons estimé qu'il nous faut relever ensemble le défi taux de participation record aux prochaines élections présidentielles afin de crédibiliser davantage ce scrutin. Chers amis, chefs quartiers, c'est à vous que revient ce travail-là. Vous êtes les mieux indiqués pour organiser avec les boucliers de la rupture, dont vous faites d'ailleurs partie les séances de sensibilisation et de mobilisation à l'endroit de tous les électeurs, afin qu'ils puissent sortir massivement pour aller accomplir leur devoir civique qu'est le vôtre. Nous, en tant que chef quartier élu local, nous lui avons juré la main sur le cœur à travers tout ce que le chef de l'État a réalisé par rapport au péage première phase, que nous n'allons pas lui marchander notre soutien. Nous allons mouiller les maillots pour que le président Talon, au soir de l'élection prochaine, que son excellence Patrice Talon soit réélu. En 5 ans de gestion, Patrice Talon a opéré plusieurs réformes touchant tous les secteurs d'activité. Sa décision de se présenter à la présidentielle prochaine est approuvée par l'assistance. Ceux-ci se mobilisent déjà afin de mener des actions conséquentes pour la réussite de la mission qu'ils se sont assignées.
Nous sommes dans le plateau d'Abomey et nous y restons pour vous dire que Désiré Vodonou jouit à nouveau de ses droits de citoyen après bien sûr 10 années de privation. L'homme a annoncé la nouvelle à ses proches ce week-end à Boïkon à la faveur d'un meeting politique tout en remerciant les uns et les autres pour avoir été à ses côtés. Désiré Vodonou a salué la décision du chef de l'État de se présenter à la présidentielle d'avril en 2021. Nous allons faire le point avec Imet Elena Mousseau. Déchu de ses droits civiques en 2011, Désiré Vodonou rend aujourd'hui grâce au Tout-Puissant. C'est quelques vers du corps chrétien en guise d'expression de ma profonde gratitude au Seigneur pour son œuvre salvatrice et tous ses bienfaits. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Et nous y sommes aujourd'hui. Ce fils de Zogbodom est politiquement influent dans les 23e, 24e et 5e circonscriptions électorales à recouvrer à nouveau ses droits de citoyen béninois. À ses amis, sympathisants et alliés réunis ici à Boïkon, l'homme a annoncé la nouvelle. La décision de la Cour constitutionnelle en date du 7 janvier 2021 qui le rétablit vient mettre un terme à une longue période parsemée de multiples péripéties. Je me fais le devoir de laisser tomber ce triste souvenir. Chers compagnons de lutte, dois-je encore dire ce que tout le monde sait déjà en la matière? Si oui, disons simplement que l'erreur a été corrigée. Et à l'heure de la gouvernance du président Patrice Athanase Guillaume Talon, Désiré Vodonou, votre frère, ami, mari et chouchou des femmes, a retrouvé ses droits civiques le 7 janvier 2021. Rétabli dans mes droits, je continue mon combat de mieux-être de mes concitoyens à l'ombre du président de la République, Patrice Talon. Par rapport à sa position dans la 24e circonscription, vraiment ça ne peut que réjouir tout le monde. C'est une grande victoire parce que 10 ans à l'écart, vous voyez, donc aujourd'hui on peut compter sur ce digne fils de Zogbodomé pour ses prouesses que nous le savons. Désormais citoyen à part entière, Désiré Vodonou peut participer au processus électoral. Il peut par exemple exprimer son suffrage ou solliciter ceux de ses concitoyens. La présidentielle de 2021 s'approchant à grands pas, il va donc pouvoir faire usage de ses droits, tout comme les membres de sa formation politique, le Bloc républicain. Vodonou approuve la décision du président Patrice Talon d'être candidat à la prochaine présidentielle. Les efforts de construction dans différents domaines ont permis d'amorcer le développement du Bénin. Pour lui, il va donc falloir poursuivre l'œuvre entamée, d'où son engagement et celui de ses compagnons de soutenir le chantre du nouveau départ. Le Bénin est sur la voie du développement. Nous n'avons plus à le démontrer. Les nombreux chantiers ouverts et suivis avec rigueur le témoignent sans tambour ni trompette. Toute œuvre humaine souffre d'imperfection. Mais voyant tant d'efforts fournis, et en vrai et bon patriote, accompagnons la dynamique en marche, en vue d'un Bénin où il fera bon vivre pour nos jeunes gens, nos enfants et petits-enfants. Consentons aujourd'hui le sacrifice. À la rencontre de Boïkon, Désiré Vodonou a également remercié ceux qui ont été de tout temps à ses côtés ces 10 dernières années. Les invités et autres curieux présents à ce rassemblement sont appelés à propager la bonne nouvelle. Ces échanges vont également permettre de remettre la troupe en ordre de bataille en vue de l'échéance électorale du 11 avril prochain. Oui, poursuivre le vote de ce citoyen justement. Et tout comme Désiré Vodonou, le mouvement Talon doit revenir en 2021. La Ligue des jeunes leaders du Bénin et Génération Rupture pour un Bénin révélé ont aussi fait une déclaration de soutien au chef de l'État pour son engagement à poursuivre l'œuvre entamée. Écoutez ici les propos recueillis par Assiomo Kayan-Siobon et Moufid Sabour. En avril 2016, l'élection du candidat Patrice Talon à la magistrature suprême du Bénin a suscité d'énormes espoirs au sein de la jeunesse. Ce changement démocratique et pacifique à la tête du pays a révélé, après quelques mois d'exercice du pouvoir, que le nouveau maître de la Marina est un visionnaire hors pair, audacieux, pondéré, réfléchi, méthodique, intelligent et rigoureux. Très tôt,
Le président de la République a imprimé la marque d'une gouvernance inhabituelle au sommet de l'État, avec des normes de fonctionnement basées sur la compétence, le goût du travail bien accompli et la responsabilité assumée. Loin de toute émotivité, du populisme et de l'improvisation, il a fallu du temps et du réalisme pour que le peuple comprenne les implications des concepts rupture, nouveau départ, et les qualités que doit requérir le leader charismatique qui porte ce programme républicain audacieux, très ambitieux, structuré, et aussi réformateur pour nos institutions, pour que notre modèle de développement soit exemplaire. La jeunesse rêvait d'une idole et d'une référence locale de réussite à qui il faut ressembler. Nous en avons aujourd'hui une à travers la personne du président Patrice Athanase Guillaume Talon, qui est l'incarnation d'un success story qu'on pensait n'être qu'illusion sous nos tropiques. Fort heureusement, les grains sortis des terres après les sacrifices de tout un chacun et la discipline exigée ont maintenu la flamme de l'espérance allumée depuis le 6 avril 2016, malgré la réalité sèche de l'existant, des faits et des habitudes brisées en amont. La mère austérité prescrite par le président Talon savait être à la hauteur de la qualité des fruits qui sont attendus par toute la nation. Faire de l'once de notre pays, la jeunesse que nous constituons et représentons, s'est trouvée au cœur du programme d'action du gouvernement durant ce quinquennat finissant. Nous voici à la croisée des chemins. Le prochain quinquennat qui se profile est celui du choix décisif entre la continuité des réformes pour le bien-être de tous ou le retour à l'ancienne gouvernance. Voilà donc pourquoi, considérant les enjeux et les défis de la prochaine élection d'avril 2021, avec l'impérieuse nécessité de vaincre la fatalité, considérant enfin que le président Patrice Athanase Guillaume a éloquemment fait ses preuves, qu'il a réussi à convaincre son peuple lors de sa reddition de comptes, la jeunesse béninoise au sein de la coalition des mouvements tels que la Ligue des jeunes leaders du Bénin, la génération rupture pour un Bénin révélé, le mouvement Talon doit revenir en 2021, s'engage en toute connaissance de cause à apporter son soutien indéfectible au président Patrice Talon en lui renouvelant totalement sa confiance. À l'inviter toutes les forces sociopolitiques à soutenir sa candidature en tant que le candidat de la renaissance de notre pays. Politique encore, avec le parti Bloc Républicain qui procède au réglage devant conduire à la mise en place de ses structures de base et les coordonnateurs et les rapporteurs communaux chargés de la conduite des différents processus ont pris part en début de week-end à une formation. Dans ce cadre, il s'est surtout agi de fixer le cadre général et de définir les règles devant présider à la mise en place de ces différentes structures à la base. Nagui Balabé. Qui ne représente pas... Pour sa structuration depuis la base, le Bloc Républicain s'active. Rapporteurs et coordonnateurs communaux sur toute l'étendue du territoire national ont rallié Cotonou pour ensemble définir les préalables et s'enquérir du canevas ainsi que des tenants et aboutissants de cette activité dont l'importance n'est plus à démontrer. Le parti, le bureau politique compte sur vous pour que la mise en place de cette structure-là soit faite de la manière la plus objective possible. Si nous devons attirer les gens dans le parti, c'est effectivement le moment de faire en sorte que tous ceux qui peuvent venir, viennent. Tous ceux qui ont une petite sympathie. Donc on n'a pas encore fermé l'adhésion au parti. Pendant l'exercice qui est en cours, les gens peuvent continuer d'adhérer au parti. Donc je souhaite que vous teniez compte de tous ces aspects-là pour que la mise en place de cette structure soit la plus objective possible. Et de toutes les manières, le bureau politique, en arrêtant les dispositions, a convenu que le bureau exécutif national sera la chambre d'arbitrage de tous les conflits dans la mise en œuvre de cette structure-là. Donc chacun, dans les villages, dans les quartiers de ville et dans toutes les communes, sait que s'il n'est pas d'accord, il peut recourir au bureau exécutif national pour dire pourquoi il n'est pas d'accord. Pour chaque commune
il sera procédé à l'installation de comités de supervision, lesquels se chargeront de conduire l'ensemble des opérations sous l'égide, bien entendu, du coordonnateur et du rapporteur, ayant notamment pour rôle de veiller ça et là à la régularité du processus. Donc, toutes les régions, toutes les communes du Bénin étaient représentées pour recevoir, en fait, le message et la description précise de la façon dont l'activité doit se dérouler. Et donc, ça a été l'occasion pour les uns et les autres de demander des clarifications et aussi d'avoir des éléments du Bureau national exécutif sur ce qui est attendu de chacun et surtout en termes de délai, parce qu'on n'a pas de temps à perdre par rapport aux prochaines échéances qui arrivent. Le parti doit être ancré localement à la base pour que les uns et les autres puissent faire le travail attendu très rapidement par rapport à la victoire que nous attendons tous. Non, la suite, c'est que ils vont repartir sur le terrain. Dans un délai de 10 jours maximum, nous produire déjà la liste des équipes de supervision au niveau des arrondissements. Après cela, il y a d'autres types d'opérations qui sont prévues et que je ne voulais quand même pas dévoiler ici parce que c'est une stratégie de guerre. Voilà, si vous livrez votre stratégie de guerre à la télévision, alors que nous sommes plusieurs partis politiques, il y en a qui peuvent copier et nous faire mal. Les explications du bureau exécutif ont débouché sur des échanges à bâtons rompus, histoire de situer chaque participant et clarifier les zones d'ombre éventuelles. Voilà, nous fermons ainsi notre page consacrée à la politique. Nous allons parler maintenant du phare dans la société africaine. Le thème a fait l'objet d'une conférence publique animée hier samedi par le groupe de réflexion alternative et perspective. Et au cours de cette sortie, universitaires et praticiens du phare ont croisé leurs connaissances autour de cette science ancestrale. Tout s'est déroulé à l'université d'Abomey-Calavi sous les yeux de Ulrich Gaba et Elvis Tonoukouin, dont voici le compte rendu. Au menu de cette rencontre, une thématique habituellement développée dans les coulisses du couvent et dans des cercles peu ouverts au public. Le FA est ici mis sur tapis à l'université d'Abomey-Calavi, un regard croisé entre universitaires et praticiens du FA pour faire connaître cette science ancestrale mal connue du public, diabolisée par certains et qui pourtant a joué et continue de jouer un rôle important dans les sociétés africaines en général et au Bénin en particulier. Le FA, à mon avis, ne doit pas être un sujet tabou. Si cela se développe aujourd'hui à l'université, ça veut dire que la connaissance peut quelque part être transmise d'une manière ou d'une autre. Nous avons l'obligation de nous regarder nous-mêmes en face pour dire mais d'où venons-nous, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous apportons là où nous voulons aller. Nous venons de 1715, précisément en novembre, à Kanantota. C'est là que nous venons. Je veux parler du FA en question, puisque c'est de cela qu'il s'agit. On dit que le FA est intervenu au Dahomey d'hier sous le roi de Ouagadougou pour aider le souverain à pacifier le royaume. C'était son premier rôle. Les conférenciers accordent tous leur violon sur l'importance que revêt cette science ancestrale. Pour certains, le FA n'est pas que signe de géomancie, mais plutôt symbole. Et ce serait une erreur de le limiter à un simple art divinatoire, puisqu'il englobe tout ce qui touche à l'homme, son environnement, son passé et son avenir. Pour d'autres, le FA, qui est bien différent du vaudou, est une science holistique qui s'impose dans tous les domaines de la vie, y compris dans le droit. Le système FA propose sagesse et éducation. C'est la dimension éducative et éthique des légendes du FA, de tout le corpus littéraire du FA. Ça, c'est pour le pôle créature. Pour le pôle création, le système IFA propose écologie et pharmacopée. La connaissance des éléments de la nature, les minéraux et les plantes en particulier, pour soigner et guérir les maux humains. Et enfin, sur l'axe vertical, sur le pôle créateur, le système IFA propose divination et spiritualité. Et c'est dans la spiritualité qu'on retrouve le vaudou selon la compréhension des choses. Donc, vous voyez, une science globale, holistique, qui propose sagesse et éducation, écologie et pharmacopée, divination et spiritualité, le réduire à la divination,
C'est passé de 6 à 1. Avec ce système binaire qui repose sur 16 Dougans, 256 Douvi, 65 536 combinatoires et pas moins de 656 366 récits, le phare saisit et déborde toutes les situations anthropologiques de la vie. Il n'y a pas le moindre doute qu'entre ces 656 366 récits, on ne retrouve pas, on ne rallie pas un aspect dans la préoccupation qui est la mienne à un moment donné. Cette conférence organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP aura le mérite de remplir la salle de conférence de la chaire UNESCO d'Abomey-Calavi. La preuve que les Africains en général et les Béninois en particulier ont soif de leur identité. Il est clair que le phare reste un patrimoine inexploré et inexploité à cause des préjugés dont il est abreuvé. Aujourd'hui, les universitaires, de concert avec les praticiens du phare, démontrent qu'il s'agit d'une science qui, au-delà de la divination, pourrait développer l'humanité. Oui, c'est surtout un trait identitaire pour l'Afrique. Allons maintenant dans les locaux de la société Emmanuel Lagrasse pour parler d'un nouveau-né. Il s'agit ici d'une carte prépayée Visa nommée Best Cash. C'est un porte-monnaie électronique qui permet surtout d'effectuer des retraits d'argent sur des guichets automatiques de banque, des paiements, mais aussi et surtout des jeux en ligne et sur des sites des paris sportifs, sans oublier bien évidemment les transferts de fonds. Le produit, lui, a été lancé en début de week-end à Cotonou. On va faire le point avec Clément Achalé et Moufid Savoie. C'est une innovation technologique qui s'installe dans le monde des finances au Bénin et qui rend désormais la vie facile aux hommes d'affaires et d'autres citoyens. Il s'agit du porte-monnaie électronique appelé Best Cash avec un tarif unique dans l'espace UEMOA. Une innovation qui porte la signature de la société Emmanuel Lagrasse qui permet à tout Béninois d'effectuer en toute sécurité des opérations financières sur le territoire national grâce à la carte prépayée Visa Best Cash. Et après avoir installé ces points de vente et de rechargement dans plusieurs villes du pays, les responsables de la société ont présenté au public les avantages de ce porte-monnaie électronique et ses particularités. Alors comme je l'ai dit tantôt, cette carte permet de faire beaucoup de choses. Vous imaginez lorsque nous avons des transactions financières à faire en direction de l'étranger, ou Western Union, MoneyGram et tout le reste, eh bien, nous n'avons pas besoin désormais d'aller encore en banque pour faire les longues files d'attente. Avec la carte bancaire Best Cash, nous pourrions bien entendu faire nos transactions à partir de notre salon ou à partir de notre bureau, n'est-ce pas, avec cette carte bancaire, pour que notre correspondant puisse récupérer cet argent-là directement par Western Union ou bien MoneyGram, n'importe où ce correspondant-là se trouve. Donc ça fait partie des avantages. Lorsque vous voulez booster vos pages Facebook, par exemple, pour le faire avec les cartes bancaires Best Cash, lorsque vous voulez acheter des crédits à n'importe qui sur la planète Terre, bien entendu, avec carte Best Cash, vous pouvez le faire. Ce lancement officiel de la carte Visa prépayée Best Cash au Bénin a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités politico-administratives et celles du monde des affaires. Occasion pour le directeur général de UBA de féliciter la société Emmanuel Lagrasse pour cette initiative qui rime avec la vision de l'institution financière qu'il dirige et qui se trouve comme partenaire important de la carte Best Cash. Et qu'il est très très content pour ce partenariat que UBA a signé avec la société Emmanuel Lagrasse, parce que Emmanuel Lagrasse est une société qui a une grande vision, une vision très futuriste des choses, et ça les arrange, n'est-ce pas, de travailler avec cette structure. Nous avons, c'est vrai, des cartes à un coût accessible, défiant toute concurrence, mais au-delà de ça, nous avons une plus-value qui est difficile à mesurer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui avec nos cartes bancaires. Donc comme on le disait en amont, il y a trois gammes, la gamme Miton, la gamme Eulizo et ensuite nous avons la carte à bon nom qui satisfait vraiment les hauts cadres et tous ceux qui le souhaitent. Sans compte bancaire, sans engagement et sans frais cachés, les cartes Best Cash sont rechargeables par dépôt d'espèces ou par virement dans les agences Best Cash UBA. Pour avoir votre carte, il suffit tout simplement de vous rendre dans l'une des agences Best Cash UBA avec 1500 francs pour Best Cash Miton, 3000 francs pour Best Cash Eulizo
et 5000 francs CFA pour la Best Catch à Gmono. Allez donc faire l'expérience. Direction le département du Mono, où le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a organisé une séance d'échange sur les mesures de facilitation d'accès au financement du FNDA, une séance organisée au profit des promoteurs et producteurs agricoles du Mono. La rencontre vise surtout à encourager ces exploitants agricoles à mettre en place des projets capables de leur permettre d'obtenir les 100 milliards de francs CFA mis à la disposition par le gouvernement. Précision, Geoffroy Maintenant et Florent Dau. Locosa, plus précisément l'hôtel de ville de Locosa, accueille en cet après-midi du jeudi 21 janvier 2021 pour le compte du département du Mono, une délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Conduite par le ministre Gaston Dosoui, elle est ici en campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les mesures de facilitation d'accès au financement du FNDA, le Fonds national de développement agricole. Face à elle, des promoteurs et producteurs agricoles du Mono. En sa séance du 29 juillet 2020, le gouvernement béninois a décidé d'apporter au Fonds national de développement agricole d'importantes ressources financières d'un montant de 100 milliards de francs CFA complètement orientées vers le guichet 3, c'est-à-dire le guichet destiné spécialement aux crédits. Il a été reconnu qu'il y ait une campagne nationale d'information autour du fonds pour faire connaître aux bénéficiaires les mesures d'accès. 100 milliards de francs CFA ont été débloqués par le gouvernement du président Patrice Talon pour la circonstance afin de renforcer le Fonds national de développement agricole. L'objectif est d'aider les exploitants agricoles à avoir à portée de main des moyens financiers pour la concrétisation de leurs projets. Certains en profitent déjà. Le FNDA facilite l'accès au crédit auprès des banques et structures de financement décentralisées, SFD, mais la pérennité du FNDA à l'accès durable des producteurs agricoles aux services financiers des banques et des SFD exige que les crédits obtenus soient convenablement et totalement remboursés. Pour ma part, je réitère ici et maintenant l'engagement total et la disponibilité sans condition de l'équipe de l'ATDA pour l'accompagnement technique des producteurs des filières pour l'élaboration de leurs dossiers de demande de crédit. Une communication a été présentée par Léonard Valère Rousseau, directeur général du FNDA. Elle a porté sur l'accès aux services financiers du guichet 3 et son mode opérationnel. Ce n'est pas parce qu'on a dit voilà, il y a 100 milliards que demain, là, tout le monde va avoir 100 milliards. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qui vient à travers son dossier qui va le faire. Le dossier, on a formé de jeunes cadres, des jeunes confrères qui sont là avec vous, qui pourraient vous aider. Mais eux, ils vont mettre en forme ce que vous avez dit, ce que vous voulez. Ils ne vont pas vous écrire un dossier. Ils ne vont pas inventer le dossier. C'est vous-même qui pensez que c'est ça que je vais faire. Les bénéficiaires éligibles de ces fonds sont les PME et les PMI agricoles, les coopératives de producteurs ou de transformateurs immatriculés auprès du MAEP et les petits exploitants agricoles disposant d'un IFU. Ici, la riziculture devait être une chose banale. Mais, pour lui, il demande des aménagements. L'État a fait ce qu'il peut faire, est en train de faire ce qu'il peut faire. Il le fera encore, mais à quel rythme? Mais on est mieux servi que par soi-même. Si vous décidez de passer de l'argent pour faire l'aménagement et produire du riz deux fois, trois fois dans l'année, vous gagnerez. La balle est désormais dans le camp des producteurs et promoteurs agricoles. Ils doivent désormais bien peaufiner leur dossier pour avoir facilement une part de ce crédit et ensuite bien l'utiliser.
Restons dans la région pour parler maintenant de la tournée de sensibilisation du ministre des Affaires sociales et de la microfinance sur les avantages du microcrédit chez Alafia. Véronique Taïnfodé-Mewanou a poursuivi son périple dans le département du Koufo et les communes d'Aplakwe et de Diakotomé l'ont accueilli ce week-end. Nous allons retrouver ici Geoffroy Médecin et Florent Dehou pour le point. Vendredi 22 janvier 2021, jour 2 de la tournée de sensibilisation sur les avantages du microcrédit Alafia qu'effectue dans les départements du Mono et du Koufo le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. À Zavé, poumon économique de la commune d'Aplakwe dans le département du Koufo, est la première localité à avoir droit à cette séance à laquelle ont été conviées les cibles et autres parties prenantes à la mise en œuvre du microcrédit Alafia. Le microcrédit Alafia, initié et mis en place par le gouvernement de la rupture dans le cadre de son vaste programme multisectoriel de lutte contre la pauvreté au Bénin, est un nouveau produit digitalisé, essentiellement d'action sociale et d'autonomisation des femmes et des filles de nos contrées, et qui consacre également la promotion de l'économie locale à travers un soutien financier inconditionnel au développement des activités génératrices de revenus au profit de nos couches sociales et vulnérables certaines. Le microcrédit Alafia est une nouvelle formule qui permet d'accéder à des crédits avec un taux d'intérêt complètement réduit, puisque avant vous preniez ça à 8,5%, maintenant c'est à 4%. Ensuite, tous les frais complémentaires, les frais des intermédiaires, tous ceux qui sont devant vous et chacun veut prendre 1 000 francs, 2 000 et tout ça, il n'y a plus de frais complémentaires. Il y a bien sûr les frais de dossier qui n'excèdent pas 400 francs et les frais d'assurance qui, quand on fait le total, tout ça n'excède pas 1 000 francs. Mais quand vous prenez un crédit de 50 000, vous avez 2 000 à payer. Et mieux, cela passe par votre téléphone directement, donc il n'y a plus d'intermédiaire. Principal acteur du dispositif de mise en œuvre de microcrédit Alafia, le Fonds national de la microfinance, FNM, a à chaque étape marqué sa présence par une communication animée par son patron. Il a entre autres mis l'accent sur les conditions à remplir pour en bénéficier, ainsi que les conditions de remboursement. À ce jour, nous avons quand même distribué pour plus de 900 millions de crédits. Que vous souvenez, nous avons lancé le microcrédit à Alafia le 27 octobre 2020 à Savé. Donc en moins de 3 mois, nous sommes en train de distribuer près de 923 millions pour 17 000 bénéficiaires environ. Donc c'est dit que c'est une initiative qui a beaucoup de succès au niveau des populations. Et la tournée que nous sommes en train de mener actuellement avec la ministre des Affaires sociales reflète l'engouement que cela suscite et reflète les attentes légitimes des populations qui ont envie que le déploiement se fasse très vite. L'autre commune du département du Koufo a accueilli la délégation conduite par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance durant cette journée, et Diakotomé. Je ne saurais mettre un terme à mes propos sans réaffirmer au nom des bénéficiaires de ce programme notre engagement à faire un bon usage de ces fonds et appui octroyé en direction de mes communautés. Cap a été ensuite mis sur le département du Zou, plus précisément la ville de Boïcon, pour la suite de cette tournée de sensibilisation sur les avantages du microcrédit Alafia. Voilà, pour mettre un terme à ce journal, les réalités du marché international d'Antokwa, elles sont contenues dans un catalogue dont le titre est « D'Antokwa a plus qu'un marché ». C'est une œuvre du photojournaliste Martial Danso, lancée en début de ce week-end à Cotonou. Le point de la cérémonie dans ce compte-rendu de Teddy Goudalo, présenté ici par Clément Achadé. Voici le catalogue entièrement dédié au marché international d'Antokwa.
D'Antoc pas plus qu'un marché, c'est le nom de l'ouvrage qui met une lumière sur les réalités de ce lieu d'échange d'Afrique de l'Ouest. Le livre de 212 pages comporte des photos et des témoignages qui font vivre ce marché de Dantokpa. L'auteur a pour nom Martial Dansou, un photojournaliste de son état. C'est un travail de groupe. Martial est tout juste le visionnaire. Et quand tu prends le train à Londres, à chaque minute tu écoutes « Mind the gap ». Ça veut dire que penser à l'écart. Et aujourd'hui, dans notre système, je pense qu'on a un grand écart. Et cet écart-là, c'est des archives. C'est la sauvegarde de nos archives. Ce livre est un triptyque, c'est-à-dire une œuvre à trois dimensions, je pourrais même dire quatre. D'abord, c'est un bel objet. Quand vous prenez le livre, vous avez envie de l'offrir à quelqu'un. C'est un bel objet, c'est bien imprimé, la qualité des images et le montage, c'est un bel objet. Ensuite, c'est un document d'archives, c'est un document auquel les chercheurs, les étudiants pourraient faire appel pour étoffer leur thèse, leur mémoire de recherche. Ensuite, c'est un outil de promotion de la destination Bénin, donc un outil de promotion touristique. C'est un travail qui a pris corps depuis 2015 et qui a mobilisé plusieurs partenaires, dont la coopération suisse au Bénin, qui n'a ménagé aucun effort pour sa concrétisation. Le document est présenté à cette cérémonie de lancement aux participants et est offert aux représentants diplomatiques accrédités au Bénin, à l'Université d'Abomey-Calavi, au Centre culturel artistique Africa et bien d'autres structures étatiques. Vous convenez avec moi que cette action vient donc soulager les chercheurs et tous les acteurs du monde éducatif qui sont en quête de savoir. Je ne peux que me réjouir et m'émerveiller devant ce catalogue. Au nom du maire Luc Setondi Atropo et de tout le conseil municipal de Cotonou, j'adresse mes vives et sincères gratitudes à toute l'équipe projet pour cette contribution salutaire. Voilà mes faits d'ouvrage simples, mais grands. Banal, mais précieux. Modeste, mais beau. Silencieux, mais éloquent. Éloquent par, nous l'avons constaté, nous l'avons vu, les belles photographies qu'il nous présente. Éloquent par les pages d'histoire oubliées qu'il nous fait revivre. Éloquent par les témoignages inédits dont il nous gratifie. Éloquent par les statistiques économico-financière qui témoigne de sa vitalité, éloquant tout simplement par sa beauté globale. Dantokpa plus qu'un marché passe au pays fin tous les articles vendus au marché d'Antokpa, de l'entrée en passant par les différents stands jusqu'à la berge lagunaire. Pour Martial Dansou, il y a un brassard culturel énorme à ce haut lieu commercial. Et il fallait l'immortaliser pour les générations futures. Voilà, vous poussez la curiosité de mieux connaître ce marché, le marché international des Dantokpa. Eh bien, allez vous procurer de cet ouvrage. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne. Vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après le générique de fin de ce journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.